Monsieur Graffard, vous présentez votre troisième partante dans le prix de Diane avec Channel. Qu'est-ce que vous pensez de sa dernière sortie? Victoire d'ailleurs. Bah, on était très satisfaits. Elle a couru comme on espérait qu'elle le court. C'était pour vous convaincre de quoi le prix de Diane, c'est ça? Bah, c'était pour. Voilà, et si on voulait courir dimanche, il fallait qu'elle gagne cette course et qu'elle gagne avec la manière, ce qu'elle a fait. Donc après, on ne pouvait pas vraiment trouver une raison de ne pas courir dimanche. Comment elle a évolué là-dessus? Ah, très bien. Beaucoup. Je pense qu'elle a progressé depuis. Beaucoup. Alors, vous connaissez une bonne réussite dans le prix de Diane avec Volta et Homerick. Elle n'a pas du tout le même parcours hein, pour arriver sur ce groupe 1. Oui, bah, tout à fait. C'est pas du tout le même profil de pouliche aussi. C'est une jument qui est très calme, très sereine. Un peu comme Homéric qui a mis longtemps à venir, mais avec moins de problèmes physiques qu'Homéric. Sa préparation a été beaucoup plus fluide, je dirais. Et c'est une jument qui n'est pas très démonstrative le matin. Enfin, voilà, elle fait ce qu'on lui demande, comme en course, quoi. Elle fait ce qu'on lui demande. Non, non, la préparation, c'est. Ça a été sans encombre et en progressant. Et c'est pour ça qu'on ne l'a pas vue peut-être à 2 ans en fait, parce qu'elle n'était pas très Ah démonstrative. oui, non, elle n'était pas capable à 2 ans. D'accord, mais vous l'aviez engagée quand Je l'engage en début d'année, ouais, au cas où. même. Voilà. D'accord. Quel terrain souhaiteriez-vous pour ce dimanche? Je m'en fiche. D'accord. Bon, je voudrais pas que ce soit trop pénible parce que c'est Oui. quand même des juments, c'est des juments de qualité et une possibilité d'accélération, donc c'est toujours plus compliqué d'accélérer dans un terrain pénible, mais moi la mienne elle est capable de tout faire, mais enfin voilà, j'aimerais que ce soit une belle piste qui soit bonne pour tout le monde. Voilà. Est-ce qu'elle peut poursuivre l'abonnement des troisième places ou voire mieux? Je sais pas trop, enfin j'ai oui, c'est une pouliche qui a vraiment le droit de participer à cette course-là. Elle a le jockey qui la connaît, elle a un bon numéro de corde, elle est maniable. Maintenant, si elle a un bon parcours et qu'elle peut accélérer, elle va disputer l'arrivée. Moi, c'est ce que j'ai dit au propriétaire, si elle est dans les 5, il faut être satisfait. Voilà.